d'une conférence internationale pour promouvoir l'image d'Israël à Paris qui vient de se tenir sous l'égide de l'association Elnet. Il s'agit d'une association créée pour défendre et promouvoir l'image d'Israël et accentuer sa coopération avec l'Europe. Un reportage de Charlotte Hauser et Isabelle Ferrière. C'est à Paris, à deux pas de la Tour Eiffel, que se retrouvent experts et décideurs européens et israéliens. Ils participent à la première conférence internationale d'Elnet. Pourquoi le rôle de Paris est important? Il le devient encore davantage maintenant que les Anglais ont pris la décision de se séparer de l'Europe. C'est parce que la France est le seul pays du continent européen à avoir une diplomatie, à avoir une armée, à avoir un siège au Conseil de sécurité. Et donc la politique internationale diplomatique de la France, notamment vis-à-vis d'Israël, est certainement la politique leader en matière d'opinion dans la région Europe. Au programme de cette conférence, des échanges sur les questions de sécurité relatives à l'Europe et à Israël, car l'organisation intervient dans trois domaines, la défense, la diplomatie et le renseignement. Ainsi sont organisées dans différents pays, plusieurs fois par an, des rencontres stratégiques de haut niveau entre responsables politiques et militaires. Également présente en Israël, l'organisation tente de faire connaître le pays aux décideurs du vieux continent. Pour 2018, qui n'est pas terminé, on pense atteindre 30 délégations européennes qui ont visité Israël. En tout, j'espère que l'on aura fait venir en Israël près de 10% du Parlement européen après les élections. C'est ainsi qu'en mai dernier, une trentaine de parlementaires français ont visité l'État hébreu, immortalisant leur rencontre avec Benjamin Netanyahou ou encore leur visite de Tel Aviv et du Mur des Lamentations. Le rôle de l'AIPAC est d'agir au niveau américain. On a pris cette idée et on s'est dit, pourquoi ça n'existe pas en Europe? Et il y a 10 ans, nous avons commencé le travail. Contrairement au puissant lobby américain ouvertement pro-Israël, AIPAC, Elnet assure défendre tout autant les intérêts européens qu'israéliens.